voulais savoir si, en fait, les scientifiques pensent qu'actuellement, ils n'ont pas de problème pour trouver la relève, ou est-ce que le métier de scientifique est actuellement un peu délaissé par les jeunes diplômés? Non, il peut y avoir une désaffection pour certaines filières particulières, mais quand il s'agit de faire des thèses ou de postuler à l'université ou au CNRS, il n'y a pas de désaffection. Par contre, on peut constater en France comme aux États-Unis que dans certaines disciplines, il est plus facile de trouver des chercheurs d'origine étrangère que d'origine française. On ne trouve pas de gens d'origine française, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs ou moins bons, c'est simplement parce que les rémunérations potentielles sont plus faibles. Si vous êtes un étudiant brillant en fin de maîtrise aujourd'hui, vous pouvez vous orienter vers le DEA ou vers le DESS. Bien, si vous faites un DESS, vous savez qu'à la sortie, dans l'immédiat, votre salaire sera sans doute plus élevé qu'avec un DEA. Même si avec le DEA, peut-être plus tard, ça peut augmenter. Certains de nos étudiants nous disent clairement, moi je ne veux pas, j'ai une possibilité à 2000 euros brut ou 2000 euros net. Votre allocation à 1000 euros net, vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ce sont des gens d'origine étrangère qui sont bien contents de le trouver.